Non, ça donne pas. Regardez ce qui se passe dans le micro. Nous sommes le lundi. Voyez ce qui se passe. Voilà, qui sont ceux qui sont là. Ils sont venus pour mater les jeunes de Daoukro. Vous-même, quand vous regardez, c'est normal. Chers parents, chers frères et sœurs, regardez. Avec les armes à la main. Comme s'ils partaient en guerre. Contre les enfants, leurs propres enfants. Leur propre population. Comme s'ils partaient en guerre. Voyez-vous ça? Ça fait pitié. Avec les armes à la main. Voyez-vous ça? Voyez-vous ce qui se passe? On dirait qu'ils vont en guerre. Voyez-vous ça, ça fait pitié. Chers parents, regardez ce qui se passe. Regardez, chers parents. Nous sommes à Daoukro, au feu de Baoulekro. Les parents, voyez-vous ça, tous ceux ou celles qui vont voir cette vidéo, qu'ils sachent que nous ne sommes pas dans un pays de paix. Nous ne sommes pas dans un pays de paix, nous sommes dans un pays de guerre. Parce que, comment vous armer pour chasser les jeunes d'un quartier? Voyez-vous ça? Chers parents, si vous voyez, vous écoutez cette vidéo, sachez que l'heure est grave pour la Côte d'Ivoire et pour Daoukro. Ils viennent d'Abidjan. Comme si nous ne sommes pas importants. Nous sommes des animaux, ils viennent nous chasser sur un corridor. Regardez ce qui se passe. Ok, merci chers parents, vous qui allez écouter cette vidéo, publiez ces vidéos-là pour que nous soyons tous en paix. Regardez ce qui se passe avec des âmes à la main. Oui, avec des âmes, chers parents, soyons heureux. Oui, soyons mobilisés pour demain. Demain, un autre jour. Voilà ce qui se passe au feu de Baoulekro. Regardez ce qui se passe avec les âmes à la main. Qui empêche les jeunes de se manifester.